Bienvenue à tous, je m'appelle Stéphanie, on est parti ensemble pour un HIIT niveau moyen de 21 minutes, 12 exercices, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, 2 tours, bon courage, on y va. Premier exercice, les mains à la taille, jumping, ouvrez, serrez les pieds, on va commencer à monter le rythme cardiaque et la température corporelle, tranquillement. Super, début de séance. Ouvrez un petit peu plus pour les dernières secondes et relâchez. Premier exercice. Deuxième exercice, on va passer en squat, les pieds largeur de bassin, les bras devant, descente en squat, abdos contractés, dos droit. C'est parti pour 30 secondes. Let's go. Si vous préférez tendre les bras devant, option, ou main à la taille. Le dos est droit au maximum, les fesses descendent vers le bas. Et on pousse sur les talons pour la montée. Inspirez, essoufflez. Super. Ok, relâchez. Troisième exercice pour le haut du corps. Vous allez passer sur le tapis, face au tapis. Les mains un petit peu plus larges que la largeur des épaules, les genoux au sol. Pompe. Ensemble pour 30 secondes. C'est parti. Inspirez dans la descente et soufflez dans la montée. Les abdos et les fessiers sont contractés. Alignement tête, bassin et genoux. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à passer sur les pieds. Allez, encore. Ok, relâchez. Placez-vous sur le tapis, les fesses contre le sol. On attrape l'arrière des cuisses, le dos droit au maximum. Rameur, travail des abdominaux. Vous allez descendre tout doucement le buste vers l'arrière. Toujours le dos droit. Et on décolle les pieds. Maintenez la position. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à tendre les bras vers l'avant et lâchez vos cuisses. Maintenez, pensez à respirer, inspirez, soufflez. Super. Et relâchez. Debout, un autre exercice de cardio, on va se mettre au-dessus du step. Pointez les pieds sur le côté, droite, gauche alternée, main à la taille ou bras tendus sur le côté. Prêt? Et c'est parti. Allez, on accélère un petit peu la cadence. Redressez le dos. Un petit sourire. Super, encore. Et relâchez. Descendez du step. Vous allez vous placer pieds joints, fente alternée. Le pied droit et le pied gauche vont chercher devant, simultanément. Le dos droit au maximum. Faites attention sur la descente que votre genou ne dépasse pas la pointe de pied. On y va ensemble? Let's go pour 30 secondes. Super. Si possible, un petit peu plus bas. Vous sentez la fréquence cardiaque monter. Il fait plus chaud. Allez, ensemble. Relâchez. Ok. Septième exercice. Pour le travail des triceps, vous allez vous asseoir sur le step, le dos droit. Attrapez le step au bord. Les doigts vers le bas. On décolle les fesses. Et tout doucement, fléchissez les coudes. Et on remonte. On inspire dans la descente. Et on souffle dans la montée. Les coudes sont serrés au maximum. Et si vous vous sentez à l'aise, option, jambes tendues.
Rajoutez un peu de poids. Inspirez, soufflez. Allez, encore quelques secondes et relâchez. Passez sur le tapis, face au tapis, position gainage pour les abdominaux, les coudes en dessous des épaules, les pointes de pied au sol. On contracte les abdominaux, on contracte les fessiers et on y va ensemble pour 30 secondes. Allez, let's go! Alignez la tête, le bassin et les pieds. N'oubliez pas que vous avez toujours l'option, si c'est trop difficile, de poser les genoux au sol. Si vous vous sentez à l'aise, on continue ensemble. Éloignez les épaules des oreilles et du sol. Serrez les omoplates et relâchez. Debout, on reprend l'exercice cardio. Relâchez le haut du corps, inspirez. Essoufflez. Déroulez les épaules, on reprend ensemble. Course sur place, montée de genoux. C'est parti pour 30 secondes. Allez, on accélère un petit peu. Montez les genoux. Encore. Super. Plus rapide. Et relâchez. Détendez. On va reprendre pour le 10e exercice, squat large. Cette fois-ci, pointe de pied genou vers l'extérieur. La même chose que tout à l'heure, sauf qu'on va travailler toute la chaîne postérieure et les adducteurs. On est parti pour des squats. Let's go. Le dos est toujours droit, les abdos sont contractés. Descendez les fesses vers le bas et vers l'arrière. Poitrine fière et un grand sourire. Un petit peu plus bas. Allez, les derniers. Yes, relâchez. Détendez les jambes, sentez les quadriceps, les fessiers. Et on enchaîne avec le haut du corps, avec les pompes en T. Vous allez vous placer comme tout à l'heure en position de pompe. Sur les genoux pour l'instant, les mains un peu plus larges que largeur d'épaule. On descend et tournez vers moi, tout doucement. Une jambe tendue, une jambe fléchie. La même chose vers le bas et de l'autre côté. Si tout va bien, passez sur les pieds et on pivote. Super, un petit peu plus bas et montez. Yes, encore. Allez, dernière. Et relâchez. Allongez-vous sur le côté. Placez le coude en dessous de l'épaule. On va finir ce premier tour avec du gainage oblique. Le coude est en dessous de l'épaule, la main est à la taille. Jambes fléchies en dessous, jambes tendues au-dessus. Poussez la hanche vers le haut. Deuxième tour, on fera l'autre côté évidemment. Si tout va bien, passez sur les deux pieds. Si vous vous sentez à l'aise, bras tendus vers le plafond. Le plus haut possible, abdominaux et fessiers contractés. Et relâchez. Fin du premier tour, relevez-vous. Tout doucement. On déroule les épaules, détendez les jambes et on va repartir sur les jumping jacks. Soufflez. Let's go, main à la taille, pieds serrés, on y va ensemble. Un petit peu plus bas, un petit peu plus rapide. Augmentez l'amplitude, augmentez l'intensité. Encore. Ok, plus vite. Dernière seconde. Et relâchez. Ouh. Allez, on enchaîne. Squat. Pied largeur de bassin. Cette fois-ci, plus bas. Dépassez vos limites avec le sourire. On y va ensemble. Soufflez. Travail des quadriceps. C'est parti.
Super. Le dos droit toujours, poitrine fière. Poussez dans les talons pour la montée. Et soufflez. Allez, encore. Relâchez. Détendez les jambes. On enchaîne avec le haut du corps par les pompes. Replacez-vous face au tapis. Récupérez. Main un peu plus large que largeur d'épaule. Genoux au sol. Abdos fessiers contractés. Let's go pour 30 secondes de pompe. Accélérez la cadence. Inspirez dans la descente et soufflez dans la montée. Ne lâchez pas. Allez, encore. Vous sentez tout le haut du corps travailler. Yes! Super, on relâche. Détendez et repassez assis sur le tapis. En appui sur les fessiers, les mains placées derrière les cuisses, le dos droit au maximum. Tout doucement, on penche le buste en arrière. 30 secondes, décollez les pieds. Maintenez la position, pensez à respirer. Si tout va bien, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à tendre les bras devant. Vous devez sentir vos abdominaux et votre dos. Ok, relâchez. Exercice de cardio, repassez à cheval sur le step. Les mains à la taille, vous vous souvenez, comme tout à l'heure, pointez droite et gauche sur le côté. On accélère. Deuxième et dernier tour. Donnez tout. On y va? Allez, go! Si vous voulez rajouter le travail des bras, descendez sur les cuisses. Pensez à souffler. Ok, super. Encore? Allez, allez! On s'accroche. Et relâche. Repassez en fente. Alternez droite et gauche. Le dos droit au maximum. On y va ensemble. Relâchez. Déroulez. Et c'est parti. Jambe droite, jambe gauche. Souvenez-vous, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et on va chercher cette fois-ci un petit peu plus bas. Le genou de derrière frôle le sol. Et le dos est droit. Allez, encore. Super. Vous sentez les quadriceps, vous sentez la brûlure dans les cuisses. On enchaîne avec les dips pour le travail des triceps. Assis sur le step, les doigts vers le bas. Accrochez le step. Redressez le dos, avancez un petit peu les pieds et décollez les fesses. 30 secondes. C'est parti. Allez, courage. Plus rapide. Jambes tendues devant si tout va bien. Ok, on relâche. Sentez les bras, sentez l'ensemble du corps. On enchaîne avec le gainage face au tapis. Les coudes en dessous des épaules. Pointe de pied au sol. Contractez abdominaux et fessiers. Et c'est parti. Alignez la tête, le bassin et les pieds. Maintenez la position. Vous devez sentir vos abdominaux. Tout va bien. Allez, encore. Dernière seconde. Tenez bon. Et
Allez, relâche. Debout, on enchaîne avec un exercice de cardio. Course sur place, dernier exercice cardio. Il en restera 3. Accrochez-vous. Détendez les jambes. Et on y va ensemble. Allez, go. Courez. Accélérez. Il commence à faire très chaud. Pensez à bien respirer. Toujours plus vite, toujours plus fort. Allez, et on relâche. Ouh. On enchaîne avec les squats larges. Pointe de pied, genou vers l'extérieur. Le dos droit, comme tout à l'heure. Descendre vers le bas et remonter en soufflant. Ensemble. Prenez une bonne inspiration. Et c'est parti pour 30 secondes. Dos droit, poitrine fière. Allez chercher un petit peu plus bas. Super, vous sentez la brûlure dans les quadriceps. Toute la chaîne postérieure, y compris les fessiers. Adducteurs. Accélérez. Yes. Encore. Et relâche. Ouh. Pompe en T. On reprend les pompes en T au sol. Face au tapis. Comme tout à l'heure. Si vous sentez à l'aise sur les pieds. Si tout va moins bien. Sur les genoux. On y va ensemble. Descente. Et quart de tour vers moi. Encore. Allez chercher de l'autre côté. Voilà. On ouvre. Inspirez, essoufflez. Avant-dernier exercice, ne lâchez rien. On arrive au bout. Le plus dur est passé. Accrochez-vous. Super. Et relâche. Ouh. Dernier effort, gainage oblique. Souvenez-vous, on a fait un côté, il restait l'autre. Le coude en dessous de l'épaule, la jambe du dessous est fléchie. La jambe du dessus est tendue, main à la taille. On y va ensemble, 30 secondes, dernier effort. Si tout va bien, bras tendus vers le plafond. Et si vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à passer sur vos deux pieds. Poussez la hanche vers le plafond le plus haut possible. Abdos, fessiers contractés. Que du bonheur. Fin du deuxième tour. Allez chercher le plus haut possible. Allez, c'est la fin. Il reste quelques secondes. Toujours plus haut. Et relâchez. Ouh. Posez et basculez sur le ventre. Les bras sont tendus loin devant. Quelques minutes de récupération et d'étirement. Et ramenez doucement vos mains à côté de vos épaules. Décollez le buste pour l'étirement des abdominaux. Et relâche doucement. Tranquillement, vous allez amener le talon droit contre la fesse droite pour l'étirement des quadriceps. Relâchez la tête sur votre tapis. Et faites redescendre doucement la fréquence cardiaque en prenant des grandes inspirations. Soufflez profondément. Détendez-vous. Relâchez votre pied droit. Amenez talon gauche contre la fesse gauche. Toujours pour l'étirement du quadriceps, relâchez votre tête et détendez. Sentez l'étirement dans le quadriceps, l'avant de la cuisse. Et relâchez doucement. Posez les mains à côté des épaules. Prenez une grande inspiration et en soufflant, pousse sur les bras. Amenez les fesses sur les talons, les bras loin devant.
Et on déroule doucement pour passer sur les genoux. Et en position accroupie, je reviens face à vous. Gardez les mains sur les genoux, les jambes légèrement fléchies. Déroulez vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et déroulez les épaules. Bravo pour cette séance, j'espère que tout s'est bien passé. Prenez une grande inspiration. Montez sur demi-pointe, allongez. Reposez les talons. Soufflez, relâchez jusqu'en bas. On déroule une dernière fois. Montez tout doucement. Dernière inspiration. On souffle, on relâche. Merci beaucoup et à très bientôt.